travers le poney. Cool! Oh, yeah. Bon, salut! Bienvenue, Marigo! David! Merci. Martin! Marigo! Donc, on va faire du snow scoot aujourd'hui, vous êtes prêts? Oui! Ben, oui! Vous avez tous vos snow scoots, donc... Question, le snow scoot, ça fait combien de temps que ça existe? Ben ici, du moins. Hein? Ben ici, ça fait... C'est la troisième saison qu'on en loue. OK. En général, je sais pas exactement quand est-ce que c'est né, le snow scoot. Mais nous, ici, ça, c'est ça, il y a 3 ans, ça a vraiment parti quelque chose. Là. On dirait que les gens sont vraiment curieux de découvrir ce sport-là. Honnêtement, non, je crois pas que mes attitudes vont me donner un avantage plus qu'un autre. C'est une discipline nouvelle pour nous tous. Donc, même pour moi, là, ça... Non, je pense pas d'avoir plus d'avantages qu'un autre. Mes craintes face au snow scoot, c'est juste le fait que les pieds soient comme attachés ensemble, si tu veux, façon de parler. C'est plus ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment de crainte. Je pense que ça va être super plaisant. J'ai hâte d'essayer. Là, ça va être vraiment différent. Là. Moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment cool. Je regarde petit padding là, des straps. Des dangers, je peux se... Moi, j'ai pas les pieds pognés dans un... comme un snow, là. C'est pas fixe, là, ces pieds-là. Là. Non, c'est ça, c'est... Dans le fond, c'est un peu le... Moi, je trouve que c'est un peu le croisement entre le vélo puis le ski. Le snow scoot, c'est différent des autres disciplines qu'on retrouve dans un centre de ski. Parce que, ben d'après moi, je trouve que ça mélange un sport d'hiver avec un sport d'été. Il y a beaucoup d'aspects de vélo qui se retrouvent dans snow scoot, puis c'est le fun de pouvoir faire ça l'hiver sur une pente de ski. On utilise beaucoup le haut du corps, les bras pour tourner. Okay. Les pieds, c'est plus pour s'équilibrer. Vous allez voir tantôt les mouvements des jambes, ça ressemble un peu au ski, mais c'est beaucoup... Comme un BMX. Ça ressemble un peu, ouais, c'est ça, un peu au vélo de montagne, là, quand on descend, là, il y a beaucoup les bras qui... Ça, on est bon là-dedans, le BMX. Qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement? Comme équipement, des bottes de neige, pas obligé que ça soit des bottes de planche à neige ou des bottes de ski, je recommande pas ça, mais des bonnes bottes de neige... Chaudes? Oui, principalement pour pas geler des pieds, là. Mais juste des bonnes bottes avec des bons crampons, toujours ça fait l'affaire. Toujours un casque obligatoire? Oui, un casque, bien, c'est pas obligatoire le casque, mais on le recommande fortement dans n'importe quel ski. Station de sport ski. Oui, c'est ça, sport de glisse, je pense que c'est la sécurité. Oui, parce que c'est sûr, gars, on peut toujours tomber, pour avoir une plaque de glace, il peut avoir des choses en même, fait que c'est sûr ça. Que pour se protéger... Ça prend pas grand-chose. Des fois, c'est pas nous, personnellement. Des fois, c'est les autres sur la montagne aussi. Beaucoup de monde, d'année en année, on dirait que ça augmente dans les stations de ski, le nombre de personnes. Je pense que mes chances pour remporter le défi sont les mêmes que toutes les autres. Il y en a pas un. Puis même, en s'en venant, on se dit « Ah, t'as-tu déjà essayé ça? T'as-tu déjà vu ça? » Non, il n'y en a pas un qui a déjà vu ou même entendu parler. On en a vu dans des centres de vente. Mais on n'a jamais personne essayé ou même mis les mains là-dessus. Donc, j'ai pas plus de chance qu'un autre de remporter le défi. Bien, comme je vous ai dit, dans le fond, c'est beaucoup le haut du corps. OK? Fait qu'on va juste réchauffer un peu le haut du corps. Ah. Fait qu'on va y aller avec les épaules, se réchauffer un peu. Comme ça. En avant. Hélicoptère. Et s'étirer un peu. Ça sort tous les matins, toi, hein? Tous les matins, pas le choix. Pas le choix, hein? Pas le choix. Une formule asiatique. Ouais, c'est ça, avoir 40 ans, tu peux pas que ça casse. OK. Les jambes un petit peu, on va peut-être les réchauffer. C'est bon. Okay, ça. C'est ça. OK. Pour commencer, on va commencer ça sur la pente école. Bonne idée. OK. Je suis d'accord avec ça. Si vous êtes prêts, on peut... Allons-y. Tiens, je vais te laisser celui-là pour commencer. Embarque avec moi. Fait que peut-être en premier, on va... C'est ça, juste faire comme la trottinette pour avoir le fil. Si vous sentez que ça glisse d'un bord, penchez votre snow scoot, ça va mordre dans la neige, si ça va aller droit, à ce moment-là. OK.
OK, donc en snow scoot, pour être en contrôle, il faut quand même qu'on soit sur les corps tout le temps. OK, donc on va essayer ça en traverse. On va faire un côté à la fois. OK? Donc, on place nos pieds. Bizarrement, contrairement du ski, le poids va être plus sur l'intérieur que sur la jambe extérieure. On met un peu de poids sur l'extérieur, sur l'intérieur. Puis avec les bras, on va pencher le snow scoot. OK. Okay? Donc, on regarde l'équilibre sur nos pieds. Quand mais c'est comme... les bras qui font... Oh, yeah. Quand on est comme ça, on tourne à droite. Tournez pas le guidon, c'est vraiment... le. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est latéral. C'est latéral, on tourne pas le guidon en traverse. Vous allez voir, on va le tourner un peu quand on va faire un virage. So, nous, quand le fer, on fait ça, ça va nous faire tourner. Comme aptitude physique, ça demande beaucoup de la force du haut du corps, parce que c'est pas mal ça qui va contrôler le snow scoot. Les jambes aussi, un peu l'habileté avec l'équilibre sur les jambes, mais c'est beaucoup le haut du corps, de la force. La première fois qu'on en fait, on est un peu raqué des bras. Donc là, on fait juste une traverse, juste pour sentir les corps, le contrôle du snow scoot. Okay. Ensuite, je vais vous montrer le virage. Quoi? OK, je vais faire une petite démonstration. Ouais. Comme ça. Oups, on garde le corps tout droit. Ouais, le haut du corps droit. C'est vraiment normal. C'est vraiment ça qu'on tape. Ouais, c'est ça. Pas évident. Penche les poignets, ouais. Penche les poignets. Excellent, ouais, c'est bon. Sérieux, je pense que c'est la première fois qu'on pogne un sport que les trois, on n'a jamais fait. Ouais. Puis que les trois, on est pas bons. Hein? Ouais, c'est ça. Patinage vitesse. Maintenant, pour faire un virage... Pour faire un virage un peu en planche et en ski, bon, là, quand on est en traverse, on est prêt à faire notre prochain virage, on va relâcher pour que les skis ou la planche tournent. Même chose avec le snow scoot. OK, donc on va être comme ça ici. On va juste relâcher, tourner un peu le guidon pour que le snow scoot s'en aille dans la direction voulue. OK, puis avec les pieds, on va changer le poids de place. On fait juste donner un petit coup des pieds comme ça en penchant le snow scoot. Le guidon de l'autre côté. Ouais. OK. Faire une petite démo. Ouais. Ah, toi, c'est facile. Facile, vas-y, Chavard. Je suis pas prêt. Ah. OK, je l'essaye. Oups. Cool. Oups, allez. Wow, c'est ça, penche. Tourne, penche les poignets. Ouais. Moi, je pense que Sharon va mieux réussir. Garde les poignets. Non. Ouais, tourne. Faut que j'aille plus smooth, je pense. Ouais, penche les poignets. Pas facile. C'est vraiment le tire-les. Point facile, c'est vraiment y aller tout droit. Point difficile, c'est de faire des virages sans tourner trop. Il faut vraiment penser puis utiliser tes bras pour contrôler le tour. Ouais. Tire les poignets vers l'intérieur. Ah, c'est bon, Dave. Au niveau de la facilité, je te dirais, c'est plus stable que je pensais que ça allait être. Donc, j'ai un petit peu moins de crainte à aller chercher les virages. Mais en même temps, c'est un peu ça le point difficile, de faire le virage, de rentrer dedans. C'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Puis ça cause la crainte en même temps. Fait que ça, c'est un peu un paradoxe. C'est stable, fait que ça me permet de tourner mieux. Mais en même temps, tourner plus, ça me fait peur. Fait que c'est un peu entre deux, là. OK, pas pire. Not bad.
Donc, première piste, on va y aller mollo. On va prendre une piste facile, débutante. On va prendre la Humpty Dumpty. Donc, pensez ce qu'on a fait en bas. On garde les bras, les épaules en haut des guidons. OK. On tire vers l'intérieur. On garde notre poids sur le pied intérieur. OK, puis on fait juste tourner un petit peu le guidon quand on veut changer de direction. Ensuite, on remet sur les corps pour garder le contrôle. OK, c'est on essaie ça. Peut-être un petit exercice peut-être pour pratiquer ça. Quand vous allez avoir tourné, donnez juste des petits coups comme ça pour mettre à corps. OK. OK. Bien sentir que vous êtes à corps. Pour comprendre le mouvement. Ouais. OK. Okay. C'est bon? Parfait. Moi, je vous laisse aller, je vous suis. Je vais vous donner des petits trucs. Comme go-kart, là. Ah, tu vois, ça, c'est une technique. On a oublié de demander quelque chose. Comment on fait pour freiner avec ça? Freiner, même chose que, dans le fond, vous faites un virage. C'est on juste l'accentue? Que... Oui, vous accentuez la mise à corps. OK. Peut-être comme en ski, là, on amortit un peu. Ah, OK. OK. C'est bon. Okay. Puis à date, ça a-tu l'air pas pire? Ou... Oui, oui, vous êtes pas mal bon. Oui, OK. Pas mal bon. Bon, OK. Ouais. Parfait. Allons-y. La caméra est gelée. La mienne? La mienne. Non, la tienne? OK, bon. Ben, allons-y. Hey boy. Allons-y, allons-y. Les points les plus faciles, je vais dire, Catherine, elle nous a montré pas mal tout comment virer, comment bien se tenir droit dessus. Puis justement, c'est moins technique que peut-être une autre discipline. Donc, quelqu'un qui commence, il prend une bonne leçon. Pour moi, les virages, j'avais de la difficulté plus de virer à droite. Mais bon, à part de ça, ça a été quand même correct. J'étais stable pour descendre. Virer à gauche, ça allait bien. Donc, je vais essayer plus de virer à gauche qu'à droite. Martin puis Chevan un peu, ils ont progressé quand même bien pendant la pratique. Chevan un peu plus, elle avait peut-être un peu plus de difficultés au début. Puis à la fin de la pratique, on a vu une amélioration déjà. Bien, Chavonne étant un petit peu plus grande, je pense que ça lui donne un coup de main, ça lui donne un meilleur bras de levier. Fait qu'un petit peu plus de facilité à initier le virage. Par contre, elle est débalancée un petit peu plus facilement. Martin, il est un petit peu plus pesant que moi, fait que ça doit y garder le centre de gravité un peu plus bas. Là, ça doit être un petit peu plus facile de ce côté-là. Là. Chavonne, c'est quelqu'un qui est très élancé. Donc, elle va être capable d'être au-dessus de ses guidons comme qu'il faut. Puis elle est quand même assez forte. David aussi. David, c'est quelqu'un qui est bon en ski, fait qu'il est quand même capable d'être stable. C'est là une force pas mal, tu sais, la stabilité puis tout ça, la fluidité. Je le regardais au niveau de la pratique. David semble très fluide pour faire ses deux virages, les deux côtés. Je sens pas 100% en contrôle avec ça, mais...
Pas toi, là, mais... Hey boy, mon homme! Je vous mets 100% à l'épreuve des arbres. Peut-être pour Martin et plus, c'est vraiment forme physique haut du corps. Alors, d'après moi, il est plus fort que moi et David par rapport du haut du corps, mais on avait toutes les mêmes forces et les mêmes faiblesses aussi, d'après moi. Yes. Il n'y a personne de tombé. Non, on est encore tous vivants. On est encore tous vivants. Yes. C'est bon. Là, avez-vous aimé ça? C'est capoté. C'est fun, hein, quand on prend de la vitesse. C'est vraiment, vraiment différent. Ouais. Ben, c'est tombé au corps. Ouais. Mais. Aussitôt, j'ai pas pensé, puis j'ai lâché le feu. C'est comme. Ouh! Non, mais l'affaire, c'est que, tu sais, un moment donné, tu fais comme. Oh, oh, oh! Non, 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 non. Mets-toi ouais. Comme ça. Hey, dès que tu t'avances un petit peu, là, grosse différence. Ça avec tout, hein. Ouais. Bon, fait qu'on est prêts pour le défi ou pas? Ouais. Ouais. Ah ouais. Prête, pas prête, on y va. OK. Good. Ben, moi, je pense que l'épreuve, ça va être de. Parce qu'en snow scoot, ça va être peut-être de tourner au bon moment avant la petite brosse. Puis de le garder pour arriver au bon moment aussi à l'autre brosse. Et c'est vraiment ça qui va être le défi. Bon, ben, on va commencer avec une petite descente de pratique dans le parcours. Dans le fond, toi, tu vas tourner autour des jaunes et des bleus. OK. David, alentour des rouges et des oranges. OK. Sur ce mollo, juste pour s'adapter au parcours. OK, c'est parfait. Bon. Martin semblait un peu plus agressif dans sa descente. Pas nécessairement totalement en contrôle, mais on voyait qu'il se donnait plus, il visait plus la vitesse que le contrôle. Ce que je peux faire pour emporter le défi, ça va être vraiment d'être constant au niveau de ma descente, de ne pas essayer de... Tu sais, faut pas que je dérape avec. Faut que vraiment je prenne un virage à la fois, calmer. Y aller doucement, pas essayer d'en faire trop. Puis je pense que ça devrait bien aller. Je pense que ce que je vais falloir que je fasse pour remporter l'épreuve, c'est vraiment d'aller chercher des bonnes courbes, des bons virages, de ne pas me ralentir. Chose que dans les virages, c'est ça que je faisais. Là. Donc je laissais le derrière aller un peu, ça me ralentissait. Ça me met en confiance, mais en même temps, ça coupe un peu sur la vitesse. Là. Fait que je pense que si je réussis à ne pas faire ça, je pourrais remporter la course. C'est qui a le plus de chances pour remporter le défi? D'après la pratique et tout ce que j'ai vu, je pense que ça peut être n'importe qui cette semaine. Pareil, pas pareil? Oui, pareil, pas pareil. Un, deux, trois. C'est toi qui n'es pas pareil. L'autre, on a des vitesses. Hein? Je me sens très prêt pour la course, oui. Je pense que ce que Catherine nous a montré, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a permis de vraiment comprendre le sport. Puis je suis prêt à l'attaquer ça puis de voir ça. On course!
41.9. 41.9. 1, 2, 3. Go, Siobhan, go! Oh, Martin est agressif, là. Ça a super bien été. T'as combien? 40.8, 41.9. Ah! Yes, sir! Hey, ça, c'était bon! Good job! Ah, qu'est-ce que j'ai plus aimé de l'activité? De tout, dans le fond. C'était fun d'avoir le challenge de faire des virages, mais le fait qu'on est capable de vraiment y aller assez vite aussi avec les ski scoots, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé de l'activité? C'est vraiment là, c'est la différence que le sport est. J'ai déjà fait du ski, j'ai déjà fait du snow, j'ai déjà fait du snowblade, j'ai déjà fait du ski de fond, j'ai déjà fait du télémarque. J'ai déjà tout essayé ça. Ça, c'est même pas proche de ressembler à quoi que ce soit à part le BMX. Je te dirais, ça ressemble beaucoup plus au vélo, puis particulièrement le cross, que d'autres choses. C'est l'affaire que ça ressemble le plus. Sinon, ça ressemble à absolument rien d'autre qui existe que j'ai jamais fait comme sport. OK, donc pour la course, troisième position avec 43.5, Siobhan. Hey! Bravo! Quand même. Deuxième position avec 41.9, David. Yes! Yes! Fait 40.8, grand gagnant, Martin. Ouais, Martin! Tu vois, ça, c'est plus ma discipline. Oui, clairement, c'est ça. En conclusion, je suis vraiment content. Oui, j'ai gagné, puis je trouve que c'est peut-être une de mes plus belles victoires parce que, justement, j'avais jamais pratiqué ce sport-là. Mais puis je suis content que les autres adversaires aussi, je pense, ils ont beaucoup apprécié leur journée. Puis les trois, on était vraiment au même niveau. Donc, on a pu voir justement la différence de notre calibre puis comment on est à l'aise dans un sport différent puis qu'on est polyvalent. Donc, c'était super le fun. Puis je suis content. On a encore passé une belle journée avec deux de mes amis. Fait que, yeah, thumbs up. Félicitations, Martin. Bravo. Tu le mérites 100%. Les trois, je pense qu'on est vraiment partis sur un pied d'égalité. Ça a été vraiment plaisant. C'était vraiment plaisant de faire cette activité-là avec toi. Chavonne aussi. Puis on se reprend la semaine prochaine. N'inquiète pas, je vais être prête. Bien, merci beaucoup, Catherine. Ça très apprécié. Merci de nous avoir fait découvrir ce nouveau sport-là. J'espère. Super, super belle place, le Montlego. Ouais. On va avoir bien du plaisir. Ouais. Encore des bons souvenirs. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.